Bonjour à tous, on se retrouve avec un nouveau let's play qui est sur Remember Me, un jeu que j'ai bien aimé. Je sais que niveau prise en main c'était pas trop ça, mais au moins l'histoire était cool, et les musiques aussi. Alors déjà, la souris c'est déjà la merde, je touche à peine, il n'y a pas la souris, c'est vraiment, faut juste déplacer, ça va. On va prendre donc la deuxième sauvegarde. Ok. Hop, option. Paramètres de jeu. Alors, régler la difficulté et sous-titres. Difficulté. On a... D'accord. On va mettre moyen. Sous-titres, non. Si. Au cas où. Valeur par défaut. Ok. Paramètres vidéo, paramètres audio, paramètres de commande, affectation de touche. Bon, ça devrait aller normalement. C'est parti. Non, bah, voilà. Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez, cette première nuit où il m'a dit « partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon sensen. Mon mari est encore bien vivant. Là. Et là. Donc vraiment, c'est futuriste, hein. Pour la petite histoire, en fait, Remember Me est le premier jeu, ou un des premiers jeux, de Dontnod, ceux qui ont fait Life is Strange. C'est quand on voit IP, ça m'énerve, comme vous pouvez voir, à gauche. Donc IP, pour ceux qui n'ont pas le terme, c'est vraiment tout effacé d'un coup. Mémoire du sujet effacée. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Normalement, vraiment, le terme wipé, c'est pour la sécurité. C'est genre, bonjour. En fait, vous trois m'entendez? Fois le mot passe. Oui. Quel est votre nom? Nilin. En quelle année? Répétez ça. Nilin. Mince. Une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Non.
Docteur Quaid? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. Il y a une sorte de camisole qui apporte. Bon. Levez la tête, s'il vous plaît. Le crédit en même temps que le personnage qui se déplace. On voit que cette idée, il l'avait déjà dans Remember Me et aussi dans Life Strange. Oh. J'ai du mal à me déplacer, c'est le personnage qui est comme ça, qui s'arrête et tout ça. Avancez, s'il vous plaît. Peut-être perturbant. C'est normal de ressentir des crises d'angoisse. Vous êtes en sécurité. Je me souviens de rien. Laissez le personnel en paix, s'il vous plaît. Il interviendra en temps voulu. Le docteur Quaid est le spécialiste mondial des maladies vénériennes. Il vous recevra personnellement pour un C'est bien. De quelqu'un, mais on ne comprend rien. Putain, la direction. Ouais. Allez, marche. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Avancez. Nilin. Tu m'entends? Oui. Ils vont t'effacer la cervelle, Nilin. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Ça a attiré leur attention. Nilin, le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton sensen. Je le sentirai. La porte passe en dessous, maintenant. Thank you.
La porte s'est refermée, ok. Bon, déjà, je peux marcher. Patient repéré en zone interdite. Déploiement de l'unité de coercition. Le passage sur ta droite, prends-le. Relève-toi, tu dois continuer. Où suis-je ? Tu y es presque. Glisse-toi dans un cercueil. Vite ! C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche, Pierre Soulages. Nilin, est-ce que ça va ? Non, je veux sortir d'ici ! Fais-moi sortir d'ici ! Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, frangine. Je l'ai fait, frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis ? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nilin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça ? Tu étais une révolutionnaire, mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant ! Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Épisode 1. Mauvaise vie, mauvaise techno. Conseil suivant. Okay. Frère, vivant.
Triangle. Un nouveau nous. Douleur. Douleur. Douleur partagée maintenant. Peur perdue maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Et pourquoi pas, amis ? Je suis pas de la tribu, c'est ça ? Utilisez cette SQD et appuyez sur espace pour effectuer une esquive dans la direction voulue. Ok. Je ne veux pas me battre avec vous. Tu dois le faire, Nilin. Ces gars te tueront. Utilise tes pressènes. Pressènes. Appuyez sur Tab pour ouvrir un menu de pressènes. D'accord. Tab. Donc, Combo Lab. Au fil de votre progression, vous déverrouillez les souvenirs de techniques de combat appelées pressènes. Ok. Vos combos à gauche peuvent être personnalisés avec les pressènes déverrouillées à droite. Ok. Important, le premier emplacement de votre combo ne peut pas être personnalisé. Ok. La séquence de ces touches d'un combo est prédéterminé ne peut pas être modifié. Les pressènes de puissance influent de lourds dégâts utilisés pour donner des coups dévastateurs. Construisez un combo de 3 coups avec les deux pressènes de puissance dont Lilin vient de se souvenir. Sélectionnez un pressène avec haut, bas, gauche, droite et appuyez sur Entrée pour valider. Ok, donc j'ai ça, un coup normal ou un coup comme ça. On va faire ça. Maintenant, sélectionnez l'emplacement, on va mettre là. Voilà. Et je vais mettre celui-là ici. Ok. L'affichage dynamique de combo situé en bas de l'écran indique les coups effectués et vous permet de garder un œil sur la progression de votre combo. Misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables ? J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Un écho honteux que nous préférons craindre. Une excellente justification du combat erroriste. Qui est là ? Vie. Les bandes SAT proposent des souvenirs nanomédicaux gratuits à tous les citoyens. Appuyez sur eux pour vous soigner. Ok, tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la migraine. Je l'ai prévenu de ton retour. Qui ? Il tient un bar en haut du slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront. Je regarde parce que des fois il me semble qu'il y a des trucs à collectionner. Je suis une criminelle. La
L'ONG donne accès à la mémoire culturelle de Néo Paris pour combattre toutes les formes d'ignorance issues au personnel mémorial. Okay. La seule sortie, c'est par le haut. Edge, c'est qui ce Tommy? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs resté fidèle à notre cause. Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du Slam 404, le Leaking Brain. Tu peux pas le rater. Fait là-bas. Restauration en continu au Leaking Brain. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy et crevettes de vase sauce slum. J'adore ce genre de petit affichage comme ça. Attention, tais-toi, Looper, si vous pouvez lire ce panneau, tirez-vous d'ici. Sensei. Un aérorisme a laissé le souvenir d'une cache à votre attention. Étudiez attentivement l'image et localisez la zone indiquée dans votre environnement. Donc voilà. D'accord. Donc en fait, on peut voir un petit truc jaune en bas de cette photo. Et il faut que je le retrouve. Qu'est-ce que c'est ? Cette grille. Où sont les gens? Donc la grille est là. Il doit y avoir quelqu'un ici. Votre jauge de vie a atteint un seuil critique. Appuyez sur Tab pour ouvrir le menu Sensen. Ok. Donc combo lave. Un combo de 5 coups est maintenant disponible. Ok. De nouveaux presets sont également disponibles, les presets de régénération. L'exécution d'un plus présent de régénération redonnera des points de vie à Méline. Insérez ces combos de presets dans vos combos. Ok. Et bien on va faire... souci. Entrez. Voilà.
celui-là, on va mettre celui-là. Oh ah. Superbe. Cette musique. C'est une sorte de... Il y a une sorte de bras mécanique. Ok, il faut qu'on trouve une sorte de bras mécanique. C'est pas ça là-bas. Oh, on fait peur. Le palier de PMP atteint de nouveaux presets sont déverrouillables. Ok. 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 Utilisez votre nouveau. Voilà. Je pense que je pourrais utiliser celui qui fait 5 lorsque j'aurai 5. Ce qui me paraît le plus logique. Voilà, c'est ici. Ok. Là, il y a la vie, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Risque d'éboulement. Ok. Ah, un petit cri William derrière. Donne-moi ta face! Ta face! J'ai perdu la face! Tiens-me dans la boîte! Ah!
voir mes enfants. Oh, j'ai menti. Ah, les mouches me mangent. Ah, ah, ah. Peut-être lui, Johnny, qui était pas content. Douleur. Tu t'es trompé de fille. Utilisez ZSQD et appuyez sur l'espace pour effectuer une esquive dans la direction voulue. Ah, c'était pas la bonne direction. J'ai regardé un petit peu de vue. Seuls les pressés ne puisseront. Voilà. L'écorcheur est bien plus puissant lorsqu'il est accompagné des autres leapers. Éliminez les leapers maraudeurs avant de vous attaquer à lui. Vengeance. Alors, les Leapers s'en prennent aux citoyens? Les Leapers étaient des citoyens. C'est bon. Je te crois. Allez, bouge de là. Tommy t'attend au Leaking Brain. Grue. Activée. Ah d'accord, faut monter sur la grue. En fait, il sert en plus des leapers. C'était l'Arc de Triomphe. Traverse le marché flottant jusqu'à cet entrepôt. C'est un raccourci pour arriver au bar de Tommy. Ok, là-bas, le Leaking Brain.
n'importe qui dans ce quartier. T'as regardé? Commerçant avec le sourire. Je ne crois pas que ce soit la boutique que vous cherchez. D'accord. Va voir ailleurs. Ok, il faut que je trouve ça. Et voilà, c'est là. Je pense que la politesse ne fait plus recette. T'es jolie, mais je suis occupé. Tu t'es coiffé avec un pétard? Je ne suis pas intéressé. Une autre fois, peut-être. Je vais chercher un peu. Quand même. Tous les jours, je lave mon cerveau avec Memorize. Ah, c'est par là que je viens. Sois discret. Désolé, j'attends quelqu'un. À quelle heure tu finis ? Ok, à côté d'un robot. De métal poussé. Ok, j'ai une nouvelle attaque. C'était quoi cette chose ? C'est bon signe, ça, Frangine. Avec le temps, d'autres souvenirs te reviendront sûrement. Tu y es presque. Suis les drones volants de Tommy jusqu'au bar. Ah, c'est moi qu'on recherche. Super le raccourci Edge. Ah.
Ok. Pas de retour possible. Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on descend? D'accord, il fallait monter. Et si je descends? C'est la possibilité de descendre, donc j'aimerais bien voir ce qu'il y a en bas. Ah, voilà, il y a un truc. Ok. Et enfin, le Leaking Brain. Voilà, on est arrivé au Leaking Brain. Ferme-la, Bob! Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Une tête de robot, c'est comment ça? Bob, ta gueule! Eh ben, on a compris, Bob. Tais-toi ou c'est moi qui te bouffe le cœur, junkie mémoriel de merde! Johnny veut mon cœur pour Noël. Tu le sais, hein? Toi, Tommy. T'es en sécurité ici, Bob. T'inquiète. Ça alors? Eh, déjà réussi! Dans mes bras, ma belle. Nilin, ça fait un bail. Je suis désolée. Je n'ai aucun souvenir de toi. C'est à ce point? Tu en mets vraiment plus ma gueule d'ange? Désolé. Ouais. On a tous perdu des morceaux dans cette guerre. Mais t'es libre maintenant. C'est tout ce qui compte. Libre? Non, perdu. Une chose à la fois, Frangine. Il est temps de soigner ton look. Là-bas, c'est le tien. Je l'ai récupéré dans ta planque, avec tes fringues de combat. Coup de bol qui t'est arrêté un jour de relâche. Ce modèle, c'est du 100% Nilin. Rien à voir avec celui que j'utilisais avant. Le top du top, Frangine. T'es la seule à le maîtriser. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Disons que, à la Bastille, contrairement à toi, j'ai pas réussi à écourter mon séjour. Bon, je laisse te changer. Ta tenue de combat est dans le casier. Ou j'appelle Johnny. Le gros avantage des indigènes, c'est leur mémoire de poisson rouge. Il y
a aucun risque qu'il te balance à Olga Sedova. La chasseuse de primes, elle est dangereuse ? Implacable. Cette vipère va retourner tout le slum pour se coffrer. Pas pour la coffrer, non. Typique d'une fouille cervelle. À peine dehors et déjà au turbin. Néline ? C'est pour toi, David. Olga Sedova, on peut remixer sa mémoire ? Ok. Ouais, je voulais peut-être pas lui, mais je me suis un peu trop du scénario. La mémoire de Olga. Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Les réinjections de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Risque aggravé de dérive identitaire. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Transfusion mémorielle terminée. Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Dr. Quaid. Je peux payer son traitement. Faire en sorte que le Dr. Quaid tue David. Voilà, donc notre objectif est d'altérer cette scène pour faire en sorte que le Dr. Quaid tue David au lieu de le soigner. Donc, le personnage pensera qu'il s'est passé ça. La première étape consiste à trouver des failles mémorielles dans lesquelles vous pouvez interagir. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous trouviez une faille mémorielle. Vous pouvez maintenir le bouton souris gauche pour accélérer. Je remonte en fait le temps. Vous approchez d'une faille mémorielle, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Sangle. Vous êtes appuyé sur E pour activer. Okay. Inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Donc on a ouvert la sangle. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça rajoute quelque chose à l'histoire ? Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Dr. Quaid. Je peux payer son traitement. Donc non, ça n'a rien fait. Déverrouiller la sangle n'est pas suffisant pour atteindre votre objectif. Ok.
trouver maintenant la combinaison de failles mémorielles qui amènera le Dr. Quaid à tuer le patient. Donc si on rembobine, le déverrouillage de la sangle annulera l'interaction, ok. Voilà. Ok. On va regarder tranquillement. Si, hein. Cette fusion n'a de pas guéri, Madame Sedova. Les réingés de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Risque aggravé. On peut permuter les captures. Risque aggravé. Juste que je trouve pile dans le bras. Voilà. Permuter. Risque aggravé de dérive identitaire. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragile. Machine qui fait pinguer. Activé. Trop fragmenté. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus. Et favoriser sa réceptivité. Il y a le flux mémoriel. On peut inverser. Et favoriser sa réceptivité. C'est compliqué à trouver exactement le moment. Allez. Réceptivité. Voilà. Inversion du flux mémoriel en cours. À votre transfusion. Docteur, il s'écoule en moi. Arrêtez-le. Madame Sedova. Effondrement identitaire du donneur imminent. Procèche de cris. Où est mon visage? C'est impossible. Souffre ma chair. Quarantaine. Tellement vide. Tellement... vrai. La version de la transfusion mémorielle a tué Olga. C'est ce qu'on appelle un bug mémoriel. Puisqu'on ne peut pas se rappeler qu'on est mort, n'est-ce pas? D'accord, donc en fait j'en ai trop fait. Inversion du flux. Non, tu veux. Voilà. Et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Il tachycarde. Très inhabituel. Docteur, c'est pas normal. Son esprit surréagit, c'est tout. Rien de méchant. Tâchez de vous concentrer sur des souvenirs apaisants. Accroche-toi. On peut faire un truc avec son masque. Souvenirs apaisants. Ah, c'est chaud là. À contrôler exactement l'arrêt. Truc. Allez, s'il te plaît. Oui, là. Non?
son esprit. Je me rappelle pourquoi je... Ce jeu, je disais pourquoi c'était un peu chiant. Allez, s'il te plaît. Voilà, détaché. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Enfant des nuées, pourquoi rampes-tu ? Quoi ? Les mouches me mangent. Les manques me mouchent. Votre mari se révèle extrêmement réfractaire. Il ne m'a pas reconnu. Toute cette rage, tout ce mal. Toutefois, mon diagnostic n'est pas remis en cause. Nous devons augmenter les dosages et intensifier le protocole. Évidemment, il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Dr. Quaid. Je peux payer son traitement. Ça suffit pas. Faut que je trouve autre chose. Peut-être qu'il faut que je le détache en même temps. Viens-toi de toi. Enfant des nuées, pourquoi rampes-tu ? Quoi ? Les mouches manquent. Voilà. Voilà, on a remanié son souvenir de ce qui s'est passé ce matin pour elle. Non, je suis pas là pour te coffrer. Tu veux toujours brûler Memorize ? Oui. Alors nous avons un ennemi commun. Quel retournement. Enfin, je veux dire, quelle bonne surprise. Pour tous. Je suis sûre qu'Olga a ses raisons. Une seule raison suffit. La grande Olga Sedova rejoignant la révolution héroriste. C'est moi ou il y a de l'amour dans l'air? La dernière fois que je t'ai arrêté, t'étais plus jeune et plus résistant. T'es plus sur ma liste. Ça veut pas dire qu'on va trinquer ensemble. Ok, Olga. On n'ira pas en vacances ensemble, ça me va. Mais Nilin est attendue dans les beaux quartiers. Et la route est surveillée. T'aurais pas une idée ? Oh, j'ai mieux que des idées. Ça, c'est ma Nilin. Et ses tours de magie. Personne d'autre ne sait faire tourner les têtes comme toi. D'abord, tu me cognes ? Après, tu ruines mon petit commerce. Ça commence à ressembler à de l'amour vache. Peu importe, on perd du temps. Merci, Tommy. Vraiment.
T'as pas perdu la main, ma belle. Edge a eu raison de miser sur toi. Comme nous tous, d'ailleurs! Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense. J'attends juste de voir où est-ce qu'on va tomber. Malgré le brouillard de mon amnésie, les risques pris par Tommy et Edge pour me libérer m'ont bouleversé. Ils comptent sur moi pour punir les privilégiés de Neo Paris. Edge parle d'une opération clandestine amenée au cœur de la conforteresse Saint-Michel. D'un réveil brutal de ce quartier hautement sécurisé, pour en faire le terrain propice à une révolution. Pourquoi pas ? Plus qu'à la justesse de son combat, c'est à son amitié que se raccrochent mes pensées à la dérive. Pourquoi nos ennemis ont-ils effacé ma mémoire ? Suis-je si dangereuse ? Dans ma poitrine, dans ma gorge, jusqu'au bout de mes doigts, je sens palpiter ce pouvoir unique qui les effraie. Qui m'effraie aussi. Avoir le pouvoir de pénétrer les souvenirs d'autrui, pour les modeler à ma guise. Pour réécrire le passé. C'est comme être Dieu. Saisi par le vertige de cette révélation, je n'ai qu'une certitude. Si ce pouvoir a fait partie de moi, je dois retrouver ce qui m'a été arraché. Je dois réapprendre mon don. Donc on va se quitter sur le début de l'épisode 2, Macro-Ondes.